Il y a 30 ans, Sinead O'Connor attaquait très fort avec un tube planétaire écrit par Prince. Elle aurait pu se reposer dessus, mais non, elle sera partout, on ne l'attend pas, imprévisible, passant allègrement du reggae à la balade irlandaise, faisant un pied de nez permanent aux conventions et au conformisme. Je suis fier de n'être jamais entré dans une catégorie. Quand j'ai sorti mon premier disque, ils ont inventé pour moi un nom, postmoderne. Ça n'existait pas. Mais de toute manière, en plus, on n'en a plus jamais entendu parler. Elle aura été de toutes les guerres, déchirant la photo du pape, refusant de chanter l'hymne américain, toujours en première ligne. En tant qu'artiste, le seul engagement que j'ai, c'est de lutter contre la maltraitance des enfants, en particulier les exactions du Vatican. C'est ça ma vraie lutte. Les concerts de Sinead O'Connor sont toujours des règlements de compte contre la cruauté des pouvoirs, une artiste hors du temps, des modes et des clichés. It's not too